Salut tout le monde, c'est Sebas2101. Alors cette semaine, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons vermifuger les vaches et où il y a une livraison de tourteaux. Voilà, alors pour les vermifuger, on va utiliser comme un bidon de produit un peu avec une lance. Donc ça se présente comme ça. Donc ensuite, avec la lance, on va appliquer le produit sur tout le long du dos de la vache. Celle-là, elle a un plutôt beau poil, celle-là un peu moins beau. Donc voilà, les vermifugés, ça va leur donner un meilleur poil. Et elles auront moins de diarrhée. Ces produits, c'est antiparasitaire. Ou par exemple, vous voyez, quand hier, on avait des petits veaux qui avaient un petit peu de poux. Bah, ça va tuer tout ce qui est poux, tiques, tout ce qui peut leur causer du tort. Donc voilà, on va brosser un peu le dos. Là où ils ont un peu de paille, on prend un vieux bout de balai. Voilà. Et ma Lisette. Ah. Une petite fifi là. Là. Donc voilà, là le premier big bug, on l'a mis dans le fond du couloir d'alimentation des vaches. Donc ça se présente comme ça, c'est comme des, voilà, des petits bouchons comme ça. Alors dedans il y a un peu de tout, hein, c'est vraiment pour complémenter la ration des vaches. Camion qui a un petit peu de mal à repartir. Bon bah voilà, du coup il va plutôt essayer de faire demi-tour dans la cour, parce que sur la route c'est impossible. À l'entrée c'est impossible de sortir, c'est beaucoup trop court. Donc là, en faisant demi-tour dans la cour, il y a peut-être plus de place, il y aura peut-être plus de chances de sortir, parce que sinon
ça va quand même poser problème si le camion ne peut pas repartir de la maison. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine.